Et coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo parce qu'en fait, j'ai commandé sur la compagnie des elfes des tampons pardon, que j'ai vu. Alors attendez, excusez-moi, j'ai vu. Donc en fait, j'ai pris ce bouquin là, voilà, le dernier de Passion Créative, Carte Créative. Et du coup, j'ai vu voilà, ce tampon-là. Et franchement, ça fait très longtemps que je recherchais des tampons Bouddha, en tête de Bouddha et tout. Et donc, du coup, j'ai commandé. Voilà. Donc, et je pensais qu'il était un petit peu plus gros, mais attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Franchement, la carte, elle est trop belle là. Vraiment trop belle, et c'est pour ça que je le voulais. Donc alors, hop, donc ça se présente comme ça. Donc là, j'ai oublié d'acheter les mousses pour les monter. Mais voilà, ça se présente comme ça. Il est vraiment très joli. Bon, je le pensais un tout petit peu plus grand, mais il est pas trop petit non plus, donc ça va. Donc, hop, attends, vous êtes en train de tomber. Pardon. Hop, voilà. Donc alors, je reprends, voilà, donc comme ça. Et donc en fait ça donne ça. Donc là je l'ai essayé une première fois mais ça allait pas parce que j'ai pas assez tamponné puis j'ai pas de bloc acrylique comme il faut, enfin assez grand. Et puis donc du coup j'ai pris une plaque mais ça allait pas du tout. Je pense que là il faut un, vous savez, une plaque à tampon spéciale avec des aimants pour pas que ça bouge et recommencer plusieurs fois. Voilà, donc là c'est pareil, ça en va un peu mieux mais c'est pas encore ça. Mais bon, c'est parce que je me suis mal pris, mais sinon. Voilà, il est trop joli. Donc, franchement, j'adore. En colorisé et tout, franchement, ça doit être top. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-là. Pareil, très joli. Donc, je pense que sur le bouquin, il y est aussi. Ouais, il est là. Hop. Voilà. Et donc, là, ça donne ça. Donc, ça, c'est pareil. J'ai pas trop. Ici, là, il manque un peu d'encre. Et. Bon, sinon ça va. Hein. Là, c'est avec la Distress Oxide Vintage Photo. Et là, c'est avec la Memento. La Memento Black. Voilà. Donc, mais ils sont très jolis. Donc ensuite, j'avais pas de tampon joyeux anniversaire. Enfin, j'en avais un petit, mais qui me plaisait pas. Donc un comme ça, avec des lettres un petit peu. Je sais pas comment on appelle ça, pas gothique, mais enfin des jolies lettres quoi. Voilà, donc ça donne ça. Par contre, là, il tamponne très bien là. Voilà. Ensuite, pareil, j'en ai pris un autre joyeux anniversaire. Ah, là, on voit à l'endroit. Voilà. Comme ça. Ensuite, donc là j'ai pris un petit texte. Donc c'est là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Donc ça, je pense que les tampons, vous allez les voir à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, ça donne ça. Donc là, ça tamponne bien aussi. Et ensuite, ils m'ont mis un tampon en cadeau. Donc c'est Belle Année Zen. Franchement, j'aime bien. Comme ça. Et ça donne ça. Voilà. Donc franchement, ils sont super beaux. Et j'adore les Bouddhas et tout là. J'arrivais pas à en trouver et là, je suis très contente. Donc en fait, alors c'est livré dans une petite pochette comme ça. Alors. Donc là, j'avais même pas vu le mot. Voilà, donc là, c'était dans une poche en craft, comme ça, avec une jolie carte postale. Ouais, voilà. La compagnie des elfes. Trop bien, franchement. Vraiment très très bien. Donc, voilà pour ça. Je vais juste vous montrer. Ah si, je me suis aussi commandé un dies comme ça, là. Chapeau un petit peu qui fasse steampunk, voilà.
Et enfin, j'ai adoré. Donc je l'ai pas encore essayé, hein, mais ça ne serait tardé. Donc il y a plusieurs dimensions. Il y a un grand, un moyen, un petit. Puis après, il y a un petit peu des. Enfin, je sais pas, ça devait être des engrenages ou enfin. Style steampunk. Voilà. Ça. Ensuite, donc là, c'est pas du tout. C'est plus la compagnie des elfes. Hein. Plus du tout. Je peux juste vous montrer. Alors là, j'ai pris des tampons sur. Alors, c'est Amazon. Des tampons feuillage. Je les adore. Ils sont trop beaux. Ils tamponnent super bien. En plus, ça fait des feuilles au squelette un petit peu comme ça, là. Ici, là. Franchement, c'est trop beau. J'ai fait une carte avec. Bon, je vous la montre pas pour l'instant. Mais je vous la montrerai ultérieurement. Mais voilà. Franchement, ça tamponne super bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Alors, c'est sur AliExpress. Mais je sais plus quelle boutique. Donc là, il y a plusieurs bagues de petits gnomes. Mais moi, je suis un petit peu déçue. Je pensais pas que c'était comme ça. Après, faut que je voie, il y a la découpe. Donc, il y en a un comme ça. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je les ai reçus ce matin. Donc, voilà, il y en a un comme ça. Et là, il y en a un comme ça. Avec la lanterne, je crois. Ouais, c'est une lanterne. Ensuite, j'ai pris. Ça, c'est pareil, c'est sur Amazon, ça. Donc, une jolie danseuse. Trop belle avec sa robe, là. Des tampons. Un tampon comme ça. Un texte. J'en avais que des petits. Et là, celui-là, il est pas mal. Il est moyen, quoi. Donc, c'est très bien. Et là, une jolie femme comme ça. Un petit peu. Enfin, ce n'est soit 50, je sais pas, enfin avec une jolie robe, années 20 peut-être aussi, je sais plus trop les années, mais voilà, c'est donc je la découpe, je sais pas ce que ça va donner, je vous ferai voir au fur et à mesure que je le ferai sur des cartes. Voilà pour ça, et ah si, donc là c'est pareil, c'est sur la boutique AliExpress, donc un comme ça. Que vous allez voir avec le papier. Donc, comme ça. Et là, il y a la dame qui va avec. Voilà. C'est un petit peu bah, années 20 aussi. Voilà. Et ensuite, celui-ci, un joli die de Noël que j'ai pris à Amazon. Enfin, sur Amazon plutôt. Et ça donne ça. Alors, je sais pas si ça va aller comme ça, mais cette découpe, elle est trop trop belle. Vraiment trop trop belle. Elle est très fine. Bon, il y a beaucoup de choses à enlever, mais ça se découpe très bien. Donc, vraiment vraiment très contente. Voilà, elle est magnifique. Donc, je pense que voilà, je vous ai tout montré, je pense. Il y a d'autres choses que je dois recevoir que j'ai pas encore reçues. Et voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, je tenais à remercier toutes les nouvelles abonnées parce que j'ai fini mon concours de 200 abonnés. Je suis à 300. Donc franchement, vraiment super contente. Et vraiment merci à toutes de vous être abonnées à ma chaîne. Et vraiment, je suis ravie, hein, là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire si vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!